Good morgen, allez, Yiden les sutras aujourd'hui, les Nishmat Richard, Aharon, Ben Fortuné Mazal, ainsi que les revoitres, Anna Abad Gettel Dora, Sarah Bat Nechama, Ptor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions les Sakhim, Psachim, Prektet, Mishnah Yudalef. Shnaim Shenitar Vupisrehen, Zemosher Lo Echad, Zemosher Lo Echad, Zememaneimo Ache Echad Minashuk, Zememaneimo Echad Minashuk. Zeba Etzel Ze, Zeba Etzel Ze. וככה הם אומרים, אם שלי הוא פסח זה, ידיך משוחות משלך ונמנת על שלי. ואם שלך הוא פסח זה, ידיים משוחות משלי ונמנתי על שלך. On avait déjà expliqué le principe de la Mishnah, déjà depuis la Mishnah précédente. Cette fois-ci, il y avait une situation un petit peu particulière. Le principe, c'est toujours la même notion. Shneim Shenitaru, Pesrani, il y avait deux personnes qui se sont mélangées leurs psachim. Dans la Mishnah précédente, on parlait de deux groupes. Il y avait deux familles, de 5 membres, 10 membres. On avait appris qu'il fallait toujours, on avait deux familles, donc famille, on avait dit famille Lévi, famille Israël, les corbanotes se sont mélangés, on ne sait plus quel corban appartient à qui, ils n'ont pas encore été égorgés, donc on a la possibilité de se retirer du corban pour se faire nommer sur l'autre animal, à condition de laisser une personne initiale, d'accord? Vous vous rappelez du principe? C'est assez important pour comprendre maintenant notre Mishnah. Je répète encore une fois, on avait le corban de la famille, le petit agneau vivant, de la famille Lévi, et le petit agneau vivant de la famille Israël, on avait dit, ben, s'ils se mélangent, on ne les reconnaît plus, alors on ne pourra pas, il faudra nécessairement qu'il y ait au moins un membre de la famille Israël qui reste sur le Corban d'Israël, et un membre de la famille Lévi qui reste sur la famille Lévi, et le reste, ils pourront passer à l'autre, ils pourront se retirer, et donc dans le doute, on va faire la mise en scène, en fait, qu'il y en a un qui va se retirer de là, un qui va se retirer de là, et qui va dire, écoute, cet animal, de deux choses l'une, soit, il va aller voir les quatre, il va leur dire, soit cet animal, il est à moi, donc je vous invite à venir avec moi, soit cet animal, il est à vous, invitez-moi à venir avec vous, et ainsi de suite, et comme ça, on faisait pour pouvoir faire que les deux familles allaient finalement retrouver un corban. Bien sûr, ils ne pourront plus manger les cinq ensemble sur le même corban, parce qu'on avait expliqué une règle importante, qu'il fallait qu'il y ait une personne qui a été nommée initialement, qui reste systématiquement. On va voir maintenant un cas particulier dans notre Mishnah sur ça, et c'est pour ça qu'on a une Mishnah supplémentaire. Shnaim Shinitavu Bisren, cette fois-ci on a deux personnes individuelles. Monsieur Reuven, prénom Reuven, et Shimon. Deux personnes uniquement, sans personne d'autre qui ont un Korban Pessah. Je vous introduis tout de suite le problème qu'il y a, ou plutôt la solution qu'il y a, c'est qu'il y a un interdit d'apporter un Korban Pessah tout seul. Donc quand Reuven il a désigné un Korban, il est obligé de se trouver un associé pour. Et c'est là où il va y avoir le dénouement. Donc, pour le moment, on a deux corbanes. Moi, il y avait Reuven, il avait pris un agneau. Shimon, il a pris un agneau. Et ils se sont rencontrés, ils sont venus à parler. Les agneaux, ils sont venus aussi à parler. Puis après, on ne sait plus qui est à qui. Comment on fait? Ils sont encore vivants, bien sûr, bien évidemment. Alors, là, c'est bien délicat. Vous vous rappelez aussi, on a introduit le principe qu'on ne peut pas laisser un corban sans propriétaire. Je ne peux pas me retirer et me dire, bon, viens, on change. Au pire, je te laisse. Non, parce que pendant un instant, le temps que moi, je vais passer de là à l'autre, eh bien, le corban, il n'aura plus de propriétaire, c'est plus possible. Donc quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Zemosher lo echad, vezemosher lo echad. Un, il va inviter quelqu'un d'autre de l'extérieur. Vezemosher lo echad, l'autre, il va inviter quelqu'un d'autre de l'extérieur. Non, excusez-moi, on parle des animaux. Zemosher lo echad, un, il va tirer un animal, il va prendre un agneau, il va dire, bon, viens, je te prends déjà cet agneau. Et l'autre, il prend l'agneau. Maintenant, peut-être que c'est le mien, peut-être que c'est l'autre. Alors, comment ça se passe? Zememaneimo echad minashuk, l'un, il va inviter quelqu'un d'autre du chouk, de l'extérieur. Et l'autre, il a invité quelqu'un d'autre de l'extérieur. Vous avez la scène. Reuven, il a pris un agneau. On ne sait pas si c'est le sien ou si c'est pas quelqu'un d'autre. Il va inviter, il va rencontrer Yehuda au marché, dans la rue. Il va lui dire, viens, maintenant, on va manger ensemble le Corban Pessah. Je ne sais pas exactement, soit avec moi, soit avec mon copain, je t'explique. Viens avec moi pour le moment. Zeba et Zalze, Zeba et Zalze. Donc lui il invite, moi j'invite, Reuven il invite Yehuda, et Shimon il invite Issachar. Ok? Zeba et Zalze, Zeba et Zalze, un il invite un, l'autre. Mais comme ça ils vont lui dire, écoute, maintenant, on va dire, Im Shelihu Pesachze, si ce Korban Pesach c'est le mien, Yadecha Meshuchot Michelcha Venimneta al Sheli. Dans ce cas-là, toi tu te retires de n'importe quel Korban que tu es invité avec moi. Et si ce Korban Pessah, il est à toi, Yadai Meshuchot Mesheli, mes mains sont retirées de lui, et je suis nommé sur le tien.
C'est-à-dire qu'en fait, ça se passe comme ça. La notion, elle est très simple. Il faut juste... Il y a la petite feinte, c'est que... Il y a une règle, d'abord. On a dit qu'on ne peut pas apporter un Corban Pessah tout seul. Donc, au moment, je vous avais aussi, d'un autre côté, appris, dans la Mishnah précédente, on avait vu que, à partir du moment où... qu'on peut pas... Qu'il faut nécessairement qu'il y ait une personne qui a été nommée initialement dessus, qui ne quitte plus le Corban. C'est-à-dire, on ne pouvait plus changer, vous vous rappelez, avec la famille Israël et Lévi, on ne pouvait plus les changer complètement. Il fallait nécessairement qu'il y ait un qui reste avec le Corban, parce que peut-être que c'est le Corban des Lévi, il faut qu'il y ait au moins un membre des Lévi qui reste. Mais alors là, la règle, elle va me dire comme ça, écoute, quand toi, t'as nommé un Corban tout seul, tu ne peux pas rester tout seul. Donc, le deuxième que tu vas nommer, c'est encore une personne initiale. C'est là le grand chidouche. En fait, ça se passe comme ça. Le principe, il est très simple. Réhouven, il va inviter, on a dit, il va inviter Yehuda. Il va dire, écoute, Yehuda, toi, en fait, on va retourner la scène. On va dire que Réhouven et Shimon, ils vont dire, écoute, de deux choses l'une, ce corban-là qui est là, il est forcément à moi ou à lui. On te nomme, toi, Yehuda, que maintenant ce corban devient le tien. Ça marche. Ouais, voilà, très bien, ce corban, il est devenu le tien. Et toi, et on va faire la même chose avec le deuxième corban en nommant un Issachar. Et maintenant, en fait, on va dire à Yehuda et Issachar de nous inviter à nous, en disant que si c'est le mien, alors je reste sur ce corban. Si c'est pas le mien, eh ben, je te demande de me retirer de l'autre, du mien, et pour que maintenant tu m'invites chez toi. D'accord? C'est le principe. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.